ça, c'est mon X. Yael, sans la gigue, non. Parce que même si j'ai pas... Admettons que je vivais dans le bois, dans la forêt, dans un cloître, là, puis que j'avais aucune opportunité d'aller giguer quelque part, c'est pas grave, je sais que la gigue, elle serait là pareil. La gigue contemporaine, c'est quand même un milieu qui m'a comme ouvert ses bras pendant mes années à l'université. Puis j'ai beaucoup découvert dans ce monde-là l'improvisation dans un cadre de spectacle. C'est quelque chose de fragile à faire, mais en même temps, un coup que tu acceptes que c'est fragile à faire, bien, tu le fais puis tu acceptes les réponses qui viennent. On n'a pas le choix d'être authentique quand on improvise, parce que c'est tellement rapide, il se passe tellement de choses dans le cerveau, dans les pieds, qui est un peu entre le réflexe et la réflexion, que ce n'est que du vrai qui sort de l'artiste en état d'improvisation.